Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur Gemite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueur. Et aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à EverQuest dans sa version Reign of Fear. C'est un MMORPG édité et développé par Sony Online Entertainment qui est sorti le 16 mars 1999. En effet, c'est un vieux de la vieille celui-ci. Sinon, c'est accès gratuit, même si vous avez la possibilité de souscrire un abonnement mensuel. Et jouer absolument sur PC, soit Windows, soit Macintosh. Voilà, et si jamais ça vous intéresse d'aller faire un petit tour dessus, j'ai mis les liens dans la description de la vidéo. Petite précision, le jeu n'est jouable qu'en anglais seulement. Voilà, allez, vous êtes prêts? Et c'est parti. Et nous y voilà. Ouais, j'avais fait un petit tour dessus, pas très longtemps, et j'ai créé ce petit barbare là, qui est apparemment de niveau 3 maintenant. Et surprenant. Je vous le rappelle, 1999, hein, et à l'époque ça c'était wow, my god, c'est trop bien. Ok, on y va. Donc, on va créer un nouveau personnage. Et là, c'est indiqué, bien entendu, que votre statut par rapport au jeu, comme je vous l'ai dit, c'est un freemium. Donc, vous avez la possibilité de souscrire à un abonnement. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, au niveau des races, nous avons le barbare, bien entendu. Avec bien sa petite histoire ici. Et puis, ses caractéristiques. Non, ouais. À peu près. Les barbares se considèrent eux-mêmes comme supérieur par rapport aux autres habitants de Norath. De Norath. Ou en anglais, c'est Norath. Yeah. En français, c'est Norath. Ou Norath. En tout cas. Donc, nous avons le barbare, nous avons Dark Elf, nous avons le Dwarf, Erudit. C'est une race, ça? Damn. Le Gnome, Half-Elf, les Halfling. Halfling, ça me dit quelque chose, j'ai vu quelque part cela. Les high, ok, nous avons les half elf et nous avons les high elf. Waouh. Nous avons les humains, nous avons les Ixar, nous avons les ogres, nous avons les trolls, les vachir. Hein, ça c'est la race préférée des gods warrior. Ensuite nous avons les wood elf, les frog, waouh, les froglock et les drakin. Ouais, c'est vraiment heroic fantasy, d'accord. Et comme vous pouvez le voir à droite ici, chacune des races a des classes spécifiques. Hein. Donc, je veux dire, c'est pas toutes les races ne peuvent pas maîtriser tous les arts de combat, comme vous pouvez l'imaginer ici. Par exemple, le barbare, il peut être Beast Lord, Berserker, Rogue, Warrior ou Shaman. Tandis que l'Erudite, par exemple, il peut être Cleric, Magicien, Enchanteur, Paladin, Nécromancien, Chevalier de l'Ombre et Wizard. Ok, donc voilà à peu près quoi. Bon, on va créer un humain, tiens, c'est le plus connu. Ensuite, on va faire une classe. Bon, il faut acheter bien entendu. Ouais, donc si vous souscrivez à un abonnement, toutes ces classes-là sont déverrouillées, bien entendu. Ça va de soi. Sinon, là, vous pouvez aller dans la boutique et acheter ces genres d'objets-là. Ok, bon, on va faire guerrier, hein, c'est le plus simple. Ou mage, tiens, on va faire mage. J'hésite. Plouf, plouf, un petit cochon pendu au plafond. Tire-lui la queue, il pondra des œufs. Combien en voulez-vous, mesdames et messieurs? 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25. Rogue, voilà. Alors, on fait le rogue. on fait changer l'apparence. Voilà. Ok, on peut. Rogue, ça va bien avec ça. Cheveux, ouh, avec une petite rotation automatique. Voici les nouvelles coupes de cheveux qu'ils ont offert au salon Ghost Warrior. Ah, on va prendre l'autre. L'autre, derrière. Celui-là, voilà. Ensuite, on peut choisir la couleur. Et ensuite, la couleur des yeux. Vous voyez. Alors, un petit message, bien entendu, à Bluehole, qui sont les développeurs des Terra. Je le précise. Même dans EverQuest, on pouvait changer la couleur des yeux. Peut-être pas, en fait. Pourquoi il change pas? Ah, oh, ça met du temps.
Ok, il faut vraiment bien appuyer quoi, d'accord. Ok, ensuite, bien entendu. On peut ajouter la barbe, moustache et tout le reste. On va faire la couronne. Ensuite, la couleur, bien entendu. Ça ressemble, non? Si? Ouais, je pense que c'est ça. En plus, bien entendu, on pourrait ajouter des tattoos, alors des détails, si c'est un personnage féminin que vous avez choisi, ou alors si c'est le Vashir, c'est ça? Un truc comme ça. Ou alors une autre race. Ou une autre espèce. On va accepter. On peut aller en mode avancé. Et qu'est-ce qu'on a? Ok, ce sont les statistiques par rapport à la classe. Et puis, bien entendu, à la race. Donc, on a beaucoup. On peut donc diminuer ça. Donc, tout ce qui est en vert, je pense que c'est là où on peut. Qu'on peut changer. Affecter. Ouais, c'est bien ça. Donc, en fait, ce sont les stats de base ici. Avec des bonus, des points bonus accordés, bien entendu, par rapport à la classe et la race que vous avez choisi. C'est pour ça que c'est en vert ici. Donc, on peut soit diminuer et puis le distribuer ailleurs. Et comme c'était un rogue, agilité fait quoi? Ok, l'agilité. Un facteur qui détermine votre. Ok, vos capacités de défense, on va dire, d'accord? C'est-à-dire d'esquiver et tout ça. Ou en français, ils utilisent souvent le terme évitement. Ce qui indique, bien entendu, votre probabilité d'esquiver les coups. Ou alors que l'ennemi, votre adversaire, puisse vous toucher. Et ça augmente également vos chances de gagner des points dans vos combats, voilà, dans vos compétences, habilités de haut combat, on va dire, voilà, habilités au combat. Alors, donc, ouais, ce serait pas mal pour esquiver Rogue. Non, plus pour les guerriers, hein, parce que le Rogue, Rogue, c'est pas mal aussi, ouais, pour éviter, parce que vu qu'il n'aura pas une grosse armure, donc vaut mieux qu'il évite les coups au lieu de les encaisser ou les absorber. Donc, on va augmenter. Et dextérité. Donc, les coups critiques, bien entendu. Et bien entendu, les chances augmentent également les chances d'avoir des points bonus pour vos habiletés au combat, etc. D'accord, donc on va mettre ça à 85. On va ajouter un peu ici, et puis on va regarder comme ça. On va faire OK. Je pense qu'on a fini. On va faire le tutoriel, d'accord? Parce que moi, je me souviens plus comment c'était. Et on va faire... on va faire quelque chose qui s'appelle... Ben, Gemite, allez, c'est parti. Bien, nous voilà à l'intérieur du jeu, finalement. Alors, ouais, il y a eu un petit souci technique de Windows encore. Ouais, en fait, quand on est arrivé ici, il y a eu le petit message d'avertissement du firewall de Windows. Il voulait que je permette à EverQuest d'accéder à Internet. C'est bizarre alors que je disais... Ben, enfin, bref, c'est Windows, vous comprenez. Alors, donc, bien entendu, les... Donc, déplacement WASD, comme vous pouvez le voir ici, donc typique, hein, je vous rappelle, le jeu est sorti en 1999, donc les MMO n'étaient pas encore très populaires, bien que ça ne concernait qu'un nombre très restreint de personnes. Et quand vous étiez nouveau, bien entendu, il faudra qu'on vous apprenne un peu les bases, ce qui est tout à fait normal. Donc, WASD, espace pour sauter. Ensuite, avec le bouton droit, bien entendu, c'est pour gérer votre caméra, comme vous pouvez le voir ici. Et avec la molette de la souris, zoom arrière, zoom avant. Donc, c'est tout ce qui nous est montré ici. Et voici l'interface que vous reconnaissez un peu, qui ressemble un peu à celui de Hystaria. Donc, j'imagine qu'Hystaria s'est un peu inspiré, bien entendu, de ce genre d'interface, car c'est EverQuest. Enfin, EverQuest, c'est l'un des jeux qui ont quand même proposé les bases du MMORPG. Voilà. Ok. Donc, je rappelle encore pour tout le monde... World of Warcraft n'a presque rien inventé. Peut-être un seul truc, parce que c'est que sur jeuonline.info, il y a des gens qui sont mis à répertorier ce que justement chaque jeu a apporté dans le monde des MMO. Et il n'y a qu'une seule chose qui a été listée pour World of Warcraft, c'est le phasing. C'est-à-dire où deux actions peuvent avoir lieu, disons que où l'environnement est impacté par vos actions par rapport à la quête. Tandis que si quelqu'un n'a pas fait la même quête, il n'est pas encore arrivé au même niveau que vous, il n'aura pas accès au même monde. Ouais, c'est un truc comme ça, c'est pas mal du tout. Ok, bien entendu, je dis que ce n'est pas World of Warcraft qui a inventé le processus, mais qui l'a plutôt utilisé dans les MMO, parce que ça se faisait dans d'autres jeux normaux, on va dire. Ok, allez, c'est parti. Ouais, c'est une petite histoire. Alors, as you stagger to your feet, you realize that someone is talking to you. Check your main chat window below to see what he's saying.
Alors, bon, apparemment, toutes les conversations avec les PNJ vont se dérouler, bien entendu, sur votre canal de discussion. D'accord? En fait, vous aurez à peu près deux ou trois, dépendamment de vos besoins. Donc, il y aura un canal de discussion qui est de système. Et c'est là, bien entendu, où tout ce qui est un rapport avec le jeu, en fait, vos rapports, votre rapport, pardon, avec le jeu va être, vont avoir lieu ici. Comme vous voyez ici, il y a Arias qui me regarde avec indifférence, il me demande qu'est-ce que voudrait qu'on inscrive sur votre pierre tombale. Voilà, c'est ça, ce qu'il disait. Donc, ouais, tout se passe ici en fait. Vous avez passé la majorité du temps à lire ce qui est écrit ici, tout en faisant attention à ne pas se faire casser la gueule. Donc, on va cliquer pour continuer. Okay, it will be a good time to get your bearings. You can do this in one, two, okay, two ways. What's that? Okay, donc il nous explique juste la manière de récupérer nos affaires. On peut regarder autour de nous, bien entendu. Ensuite, on doit cliquer avec le bouton droit de la souris. Ah, qu'est-ce qu'il dit, lui? Look around, click and hold the right mouse button and drag the mouse in the direction of what you want. Ok, donc ça c'est juste pour ça. You can also move arrow key. Bon, sans la... c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Alors, on avait déjà vu l'image tout à l'heure. Pas besoin de réexpliquer tout ça ici. Ok, la personne qui se tient devant vous s'appelle Arias. C'est un PNJ. Ou plus communément, ou alors pour faire plus long, personnage non jouable. Ou alors non-joueur. En fait, ça dépend. Hein. Moi, je dis souvent non-jouable. C'est sûr qu'on peut pas jouer avec eux. Sinon, c'est non-joueur. Ça, il paraît que c'est pas un joueur qui est en face de vous. Et donc, pour interagir avec lui, il vous faut d'abord cibler votre... Enfin, il faut d'abord cibler votre... Le cibler, en fait. Comme ça. Avec le bouton gauche, bien entendu. Ensuite, à ce moment-là, son nom va apparaître. C'est déjà fait. Ah, ici, d'accord. Ouais, je fais le noob, là, parce que, bien entendu... Ça nous permet de mieux tester, on va dire, le. Qu'on appelle ça? De tester la manière dont il nous présente les affaires. Est-ce qu'on comprend ça plus rapidement ou c'est trop compliqué, ces choses-là? Il faut que ce soit abordable, n'est-ce pas? Pour le nouveau venu. Alors, donc, bien entendu, on a notre cible ici. On va faire OK. Et il nous explique bien entendu, papa, les PNJ amicaux comme Arias. Enfin, sur les saluts, en fait, ils vont nous parler sur les. Donc, il faudra faire. Ok, donc on a deux manières en fait, d'interagir avec eux ou de les interpeller. Et juste en soi, vous cliquez sur le personnage, comme là, d'accord, et vous appuyez sur H. Et généralement, il vous répond à ce moment-là. C'est pour ça que vous voyez le texte ici. Ouais, ça, salut mon ami. Je m'appelle Arias. Et vous êtes chanceux que je sois encore. Ok, et vous êtes chanceux que je sois. On appelle ça. Je sois bon à soigner les blessures. Genre de choses là. D'accord. Donc c'est ça en fait. Donc soit c'est la H, soit alors vous tapez carrément Hell. Ah, c'est déjà passé dans le canal de discussion. Mais il va vous répondre parce que c'est programmé, vous savez. Alors, donc, ok. Ok. Donc, ouais, c'est assez. Je dirais pas immersif, hein. D'accord? C'est surtout, comment on appelle ça? Ça vous demande un peu plus d'attention. D'accord? Parce que l'automatisation qui était vraiment assez. On va dire qui était un peu apportée par EverQuest 2 et World of Warcraft. Ouais, le côté easy mode des choses. On pourrait dire également un peu d'agréabilité au niveau du gameplay. C'est que là, il vous faudra vraiment tout écrire ou alors. Alors, qu'est-ce qu'il vous raconte ici? C'est que quand vous parlez à un PNJ, normalement, entre. Est-ce que vice donjon? C'est que. Ils mettront entre crochets des termes qu'il faudra, bien entendu, répéter dans le canal de discussion. Comme ça, en fait, ça activera. La suite de la conversation. Par exemple, là, il vous propose de vous échapper. Et donc, pour valider justement ce choix-là, d'accord? Parce que dans les MMO présents, on avait le choix, ouais, vous cliquez et puis c'est bon. Mais là, en fait, il faut que vous tapez sur Escape. Vous dites, d'accord, je veux m'échapper, effectivement. Et là, bien entendu, la conversation continue. Donc, c'est toujours comme ça, en fait, que ça a été établi ici. Et je sais pas pourquoi il n'y a pas de musique. Ouais, c'est pour les options, hein.
affichage, sound. Where is the sound? Sound. Ok. Bon, elle a décidé de ne pas mettre de son. D'accord. Ok, c'est pas grave. je penserai à mettre quelque chose derrière. Ok, donc c'est ça. Ok, donc c'est ça. Comment. En fait, c'est pour ça que vont se dérouler par rapport à vos quêtes. Il n'y aura pas de point d'exclamation sur la tête. Il faudra nécessairement interpeller les différents PNJ et bien entendu lire ce qu'ils ont à vous dire. Et de taper le mot-clé si jamais ça vous intéresse de continuer la conversation et voire même de prendre la mission. Donc il a proposé de accepter ça et ensuite tu as fait quoi? Accept in text windows. Ah si, faut accepter, voilà. Voilà, c'est votre journal des quêtes, hein. Ça c'est les quêtes partagées et l'historique des quêtes que vous avez déjà bien entendu accompli. Voilà. Ensuite, là, c'était votre première quête. Il faudra donc cliquer bouton gauche sur le titre Jailbreak dans le menu des tâches. Ici. Ah, c'est fait. Ok, d'accord. Ok. En fait, en disant qu'en cliquant dessus, vous avez un peu la progression de la quête. Hein. Il y aura tout ça, ça commence ici, ensuite il y aura ça, accompli, etc., etc. Voilà. Non, il n'y a pas le suivi de quête ici. Je pense qu'il n'avait pas encore pensé à ça, ou alors le moteur ne le permettait pas pour l'instant, au niveau du codage. Ok, you can press Alt. Donc, Alt Q, bien entendu. C'est pour faire apparaître votre journal des quêtes. Voilà. Avant, maintenant c'est J, ou L, dépendamment. Ok, ensuite. Là, il faut trouver, bien entendu. Ok, donc il faut aller récupérer la clé pour ces chiens. Mais je peux faire OK et puis continuer, non? Ah, est-ce qu'on peut fermer ça? Voilà. Donc, il faut trouver chef le geôlier, en fait. Ok, look around the jail and try to find the glooms. Oh, wow, the glooming deep jail. Ok. Il faut qu'on le trouve, le gars. En fait, aïe. Il s'est pris le poteau dans la gueule. Et en fait, ce sont les gens de jeu. Il vous faudra moins avoir un grand écran, quoi, pour avoir plus d'espace. Parce que là, comme vous pouvez le voir, au lieu de augmenter la résolution, moi, je suis au maximum par rapport à cet écran-là. Qui est un écran de type 16:9, donc c'est beaucoup plus pratique pour moi pour faire après le montage pour YouTube. Allez, on y va. Au monde furtif. Ensuite, il faudra bien attaquer. Donc, avec la touche Q. Oh! Liste de combat. À l'attaque! Vas-y! Hop! Quoi? Mais. Voilà, avec. Oh, ok, ou la fenêtre du butin. Ok, donc je reprends. Non, l'action était démentielle, c'est pour ça que je ris. En fait, c'est quand je suis nerveux et que j'ai de l'excitation dans le corps, donc je ris comme ça. Alors, donc, la lettre Q, c'est pour, bien entendu, c'est pour activer l'auto-attaque. Ou désactiver, dépendamment de vos besoins. Et là, c'est notre barre d'action. Ok. Ouais, ça c'était énervé les combats. Hein. Oulala, Terra n'a bien qu'à se tenir. Ok. Donc, on a la fenêtre de butin qui est censée apparaître. Non, mais. C'est. Ah! Mais bouge-toi, Arias, là. Viens. Voilà. Non. Alors, qu'est-ce qu'il dit de faire? To take the general key and complete the second part of your quest, right click the general cops. Ok, donc bouton droit. Ok. Et voilà notre fenêtre de butin. Et comme ça, on peut prendre la clé. On fait double clic. Voilà. Sinon, on prend tout ici. Yes. Voilà. Maintenant, on presse la touche I pour l'inventaire. Ensuite, bouton gauche.
Ouais, mais je viens de faire ça. Merde. Pourquoi tu me répètes ça? Ok, donc attends. Ah, il veut que je donne ça à quelqu'un, c'est ça? Oh, then left click of an item to put it on your cursor. And then left click on the character you want to give it. Ah, ok, donc on fait comme ça. Ouais, pour faire un clic. Et vous venez savoir votre personnage. Voilà. Et vous dire, ok, vas-y, donne-lui ta clé. Je suis trop bon. Voilà. Ensuite, Umax, press. Ok, merci. Ah, on a fini le tutoriel déjà. Ouais, on a su comment se déplacer. On a appris comment se battre. Enfin, moins auto-attaque. On a appris comment. On a appris comment marchander, pas marchander, mais transférer les affaires d'un personnage à l'autre. Et on tombe dans l'eau. Ok, donc voici la prochaine quête. On va la fermer ici. On va sortir de là. Est-ce qu'on peut nager? Ouais. Bon, niveau rendu de l'eau. Ça me fait penser à l'époque de Doom, quoi. Quoique dans Doom, il n'y avait pas de... Non, je sais pas, Doom 2 peut-être? Ah, je me souviens même plus. Voilà. Bon, ça sont les actions. C'est ici. Ouais, ça a mal vieilli, hein. Ne vous posez pas la question, ça a vraiment mal vieilli. Mais bon, apparemment, ce qui est important, non, c'est vraiment on va dire le contenu, parce qu'il y a eu pas mal d'extensions dans ce jeu. Il y a beaucoup de classes. Mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus récent, allez plutôt sur EverQuest 2, même si les puristes vont dire que EverQuest 2 ne vaut pas EverQuest 1. Mais bon, que voulez-vous? Il y a toujours des fans ici et là. Bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire ici pour l'autre quête? Alors, comme dans les autres jeux à saveur, on va dire sandbox, en quelque sorte, c'est que vos compétences, bon, de ce que j'ai pu vous montrer avec Mortal Online ou alors Darkfall, qui est en bêta fermée avec sa nouvelle version, Unholy Waters, non. Unholy, voilà, c'est Unholy Wars. Ouais, si c'est la bêta, lorsque j'aurai la permission de vous montrer les images, je ferai ça, d'accord? N'inquiétez pas. Alors, ouais, ils ont fait de gros changements graphiques, tout et tout, interface de malade. Je parle de Darkfall, hein. Alors, donc, comme dans ces jeux-là, au niveau de vos habiletés, elles progressent au fur et à mesure que vous les utilisez, d'accord? Que ce soit en combat, que vous marchiez, que vous pêchiez, que vous parliez, ou alors que vous fassiez le moonwalk. Comme... Ah, il n'a pas fait. Oh, dommage. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire ici? Donc, il faut aller voir, en fait, normalement, nos instructeurs de combat, ce qu'ils nous demandent de faire. Welcome to the Revolt. You have been given two new quests. The Revolt of Gloom... Ok, Glooming Depth. Donc, c'était quoi déjà? Le Alt Q? Voilà, Alt Q. Alors, qu'est-ce que nous avons comme... C'était... On va commencer celle-là. Hein? The Revolt of Glooming Depth. C'est celui-là. D'accord. Donc, pour l'instant, on doit aller... Ok, donc on s'est battu pour pouvoir retrouver notre liberté. Ça a été fait comme ceci, statue, done, donc accompli. Ensuite, vous avez Spectre Guard, Royalates, and finish the quest, clearing the vermin nest. Ok, il faut Arias ou bien le garde. Bon, on va aller faire ok. Donc, le garde, comment il s'appelle le garde? Il faut, c'est Ratit, Ratit, ok, Ratit. Ratit, Ratit, Ratit. Ah, c'était le gars que j'ai vu à côté de l'eau quand je suis sorti. Ratit, 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 ratit. Cobalt Infiltrator. Ça a l'air d'être des ennemis, ceux-là. Ils sont en train d'espionner. Ils pensent qu'on les voit pas. Ah, Tinker Nécromancien. Ça, c'est pour les compétences. Basher. Ratit. Où est-ce qu'il est? Je suis sûr que vous l'avez déjà vu, mais c'est ce qui se passe quand on commande. Il est où? Find. Ah ben moi tiens, il y a find ici. Je cherche PNJ peut-être. Oui, non, c'est pas lui. Ah non, ça c'est plutôt find au niveau de l'interface, d'accord. On cherche le monsieur. Où est-ce qu'il est? Ah, c'est le garde Radzi, c'est lui. Alors, donc on fait comme d'habitude H.
Hello, voilà, donc il parle. Clearing the vermin nest. Je pense qu'on devrait d'abord aller voir un peu les instructeurs, hein, avant d'aller au combat. Je pense que ce sera le plus pratique comme ça. Donc, on va. Lui, c'est un rogue. Ah, bah tiens, par exemple, les armes, on va voir. Donc, vous cliquez, on fait H. Et voilà. Et donc, il va y avoir un petit gars nous proposer. Ok, Absorb the Weapon Maker. Ok, lui, c'est un fabricant, bien entendu, d'armes. You should already have a weapon equipped from your escape with Arias, but Absorb can make it better. Open your inventory. Oui, donc il faut ouvrir notre inventaire. En fait, on a déjà une arme, mais Absorb peut, Mr. Absorb peut, bien entendu, l'améliorer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner notre arme. Donc, bien entendu, vous avez vu, bien entendu. Enfin, vous avez vu tout à l'heure qu'on nous a appris comment échanger nos objets avec quelqu'un d'autre. Donc, on prend notre arme, on met ici, on fait comme ça, et puis on lui donne. Ouais, vas-y. Je suis bon. Vous avez vu comment je suis bon. Excellent, j'ai dit. Résolution de 2013. Exceller dans tout ce que je fais. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Enfin, qui a l'air intéressant. Allez, donc, hop, on y en a un. Ok. Ensuite, tu check the next. Ok. On faisait quoi, lui? Body training. Allez, truc que je vais pas tout faire. Il y a pas mal d'objets de quêtes à faire. D'accord. Bon, use the find command control to find the next NPC basic job. Ah, finalement, on pouvait l'utiliser, le find. Pour trouver un PNJ. Ok, d'accord, c'est ici en fait. Par exemple, genre, mission pour les niveaux 4 et plus, et parler à ce garde-là. Pour bien entendu le commerce, c'est celui-là. Pour les armes, c'est Absor. Ok, d'accord. Bon, nous, ce qu'on cherche. Merci pour ça. Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est peut-être. Est-ce qu'il a fini. Oh, il m'a remis. Ok, il m'a remis la dague. Et comment on peut avoir les stats de la dague? Ah, si, c'est ça? Attendez, si je clique là. Non, ça, c'est pour donner. Ok, bon. Ok, laissez faire. Bon, allons-y. Alors, donc. Qu'est-ce qu'on a pris? Qu'est-ce qu'il a à la main, lui? Je sais pas c'est quoi. Bon, avant, on va y voir peut-être un instructeur. Combat, combat. Spell. Soulbinder. J'imagine que. Oh, j'ai quand même été téléporté. Ah non, non, ok, d'accord. Oh, voilà. Enfin, on vous montre la voie. Donc le monsieur se trouve là-bas. Soulbinder, je pense que c'est le personnage qui vous permet de lier votre arme à la zone. Ou alors, comme ça, quand vous mourrez, vous allez réapparaître ici. Il s'appelle Rashir. C'est un érudit que vous pouvez reconnaître hein, lorsqu'on a fait la création du personnage. Donc, on va cliquer dessus, puis H. Rashir is a soul binder, which means he has the power to call your soul back to Nuras if you die. Donc, c'est ce que je disais. Wherever you die, you will automatically return to the last place that your soul was bound to. Soul binders can be found in most tiling cities, as well as the plane of knowledge. Ask Rashir to bind. Ok, comment on lui dit? Ok, donc, comme d'habitude, je disais que pour pouvoir interagir avec le PNJ, il faudra juste. Wow! C'est toi ça! Il est en train de spammer mon truc, lui. What the Jesus. Thank you so much. We appreciate your help. Damn. Ok. Donc, je suis tout bas. Ok, donc on va tout faire. Ok, on va faire ça. On recommence, d'accord? Parce qu'il m'a spammé la touche, lui. Donc, on fait hi. Voilà. Et donc, on l'a écrit ici. Bind my soul. Et voilà, donc je suis lié à l'endroit, comme ça si jamais je meurs, je reviendrai automatiquement ici. Merci beaucoup. Voilà. Ah mais non, c'était Add Elf. Voilà. Oh non, c'est pas ça, c'est Friend. F. Oh, c'est où la touche? Find. Bon, on va aller parler aux gardes et on va voir comment. On va voir les combats. H. Hello. Ok, donc on va aller. On va accepter la quête. Donc, il me demande de tuer 8 rats des caves, des cavernes.
Ok, 8 rats des... Ouais, j'ai pas vu trouver R et B là. Ok, donc 8 rats des cavernes, 4 chauves-souris des cavernes. Il faut détruire les nids de vermine. Et ensuite, on verra ce qui se passe. D'accord, ben c'est parti. Et donc, entendu, il faut auto-attaque avec la Q. Vas-y. Attaque! Mais où est son arme? Ah ouais, pardon! Voilà. Bon, ma barre de vie. La musique est trop forte. Voilà. On va faire ça. Ouais, musique épique, hein, ça donne envie de se battre, c'est incroyable. Tum 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 pam 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 pum. Où est dans le jaune, lui? Alors, donc ça fait déjà un rat, il faut en tuer 8, hein. Ouais, même au RPG classique, hein. Il faut en tuer le nombre de rats, le nombre de trucs, etc. Mais comme j'ai dit souvent, je comprends pas pourquoi est-ce que nous, en tant que guerriers, on demande d'aller tuer des petites vermines comme ça, alors qu'on veut se battre contre des gros trucs, quoi, qui en valent vraiment la peine. Pourquoi est-ce qu'on va s'entraîner? Right click on the save to bring. Non, c'est pas ça que je veux, je veux. Ouais, la touche tab fonctionnait pas encore ici, hein. Allez. Tu peux le faire. Vas-y. Augmente. Et là, vous voyez bien toutes les statistiques, enfin, les infos par rapport à ce combat là. Est-ce qu'on gagne des points de combat? Est-ce que vous voyez ce que c'est écrit? Ça, c'est des points de dégâts. D'accord, pas encore. Bon, il en faut. Y a pas d'autres rats? Ah, il est revenu à la ville. Non, ok. Ah, c'est vrai, un peu loot. Faut looter. Voilà, on prend tout. Oui! Voilà. Comme ça nous permettra. Ah, il est revenu à la vie, lui. Ah non, c'est vrai, je fais encore la touche tab alors que ça marche pas. Ok. Ok, ah ouais, la touche tab fonctionne quand même. D'accord. En fait, j'appuie sur Q au lieu de la touche tab. D'accord. Bah, c'est mieux comme ça. On y va. Ah, c'est les stats par rapport à mes trucs de combat. Ok, donc vous êtes amélioré dans vos habiletés de. Enfin, habiletés offensives. Et là, c'est plutôt la défense qui augmente. Si c'est bon, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, il faut progresser. Nice! Comme ça te permettra d'aller tuer un peu plus rapidement. Et voilà. Et d'amuser la galerie. Allez, on y va. Encore d'autres rats. Nous en sommes à combien? C'est Alt-Q. Ok, 2 sur 8 et 1 sur 4 pour les. Bien entendu. Ça marche plus. Mais attends. Ah, ça marche plus. Enfin, la touche tab, c'est plutôt pour vous sélectionner, vous. Ah, mais là, ça marche. Attends. C'est quoi cette histoire? Là, ça fonctionne pas. Là, c'est juste sur moi. Désactiver sur moi. Activer. Désactiver sur moi. Par contre, si je fais ça. Ensuite, je fais tab. Je refais encore tab. Ah, ok. D'abord, il faut... Oh, ok, d'abord. Ok, en fait, la condition c'est qu'il faut d'abord sélectionner votre cible auparavant pour qu'il puisse faire l'échange. C'est bon à savoir. Allez. Ok, on s'améliore offensivement. Bien, bien, bien. Vas-y, vas-y. On tape. Allez, et c'est Gemat qui vient de donner 6 points de dégâts sur le rat. Le rat qui se défend avec 4 points de dégâts. Ouh là là, ça fait mal, Gemat. Et finalement, c'est Gemat qui remporte ce combat dantesque. Incroyable, ce qui a permis entendu, à Gemite de progresser offensivement et atteindre le niveau 8 à cette statistique-là. Ok, un autre. Lui, voilà. Et le match reprend et c'est Gemite, encouragé par sa progression au niveau du combat, qui enchaîne bien entendu avec un autre rat du rat niveau. Quel niveau? Rat. Notre cinquième rat. Oui, vas-y. Ah, attention, le rat a l'air un peu plus fort et plus hargneux, qui est quand même réussi à occasionner pas mal de coups. Ah ouais, quand même. Ouais, au niveau de la défense, là, il faudrait augmenter ça, quoi, pour que le gars puisse rater, parce que c'est pas bon, ça. Ok. Allez, même chose. Vas-y. Voilà. Ça a pas l'air bon, ça. Je vais l'aider. Bien, il est mouru. Ouh, je fais rien du tout, hein.
Non, c'est le garde qui fait tout. Je pense qu'il n'a pas connu. Mais est-ce que moi je peux. Si je vois, normalement, lorsque votre ennemi est un peu plus élevé que vous, de manière considérée. Oui, mais à barre de vie. Allez, là, et là, et là, et là. Vas-y, vas-y, est-ce que tu peux? Est-ce que je peux déplacer ça? Ouais, je suis pas de tank, hein, je suis une forme bourrin. Est-ce que j'arrive à lui donner des dégâts? Piercing, 1 point, 6 points, 54%, lui a 51. Est-ce qu'il m'aide, le mage? Mais aide-moi, je suis venu pour t'aider, moi. Fiche stress. Qu'est-ce qu'il fout? Oh merde, moi je m'en vais. Terme. Moi je voulais t'aider. La musique stressante. J'adore. Trop malade. Bon. Ouais, c'est un même mot, mais les gens s'entraident pas. Moi, je suis venu l'aider, hein. Vous avez pu le voir. Vous avez constaté. Vous êtes témoin. Mais il m'a laissé tomber, quoi. Pourtant, on aurait pu l'avoir. Mais bon. Ah, allez, je vais aller chasser des ennemis de mon niveau. Allez, Batman, viens ici. J'aurais dû attendre avant de me régénérer. Attendre pour me régénérer. Est-ce que je peux dépasser ça? Voilà. On va faire comme dans nos MMORPG modernes. Aïe! Oh merde! Barre-toi! Barre-toi! Batman se fâche. Vite, 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 vite! 3%! Ah. Corps! Corps! Il te suit? Ah merde! Ah, il te suit! Il a les ailes, il va plus vite que toi! 4%! Non! Ah! Laisse-moi régénérer tranquillement, garde! S'il te plaît! Il y a une chauve-souris qui me. Ah! Ah! Vite dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, vite, vite dans l'eau! Vas-y, elle sait pas nager, elle sait pas nager! Elle sait nager! C'est pas possible! C'est quoi cette histoire? Va dans l'eau! Va sous l'eau! Les chauves-souris qui va sous l'eau, c'est quoi cette histoire? Blasphème! Hérésie! Ah! Non, c'est quoi? Non! Je veux pas mourir! Là! Depuis quand les chauves-souris savent nager? En plus, plonger, même respirer sous l'eau! Bon, c'est vrai que c'est moitié mammifère, mais quand même. Des oiseaux poilus, je sais pas quoi. Ah! Au secours! Je peux pas manger, j'ai quoi ici? Ah, j'ai du pain! Vite, vite! Est-ce que tu peux? Non, tu peux pas en combat! Je peux! Je peux manger en combat! Bah, la chauve-souris peut nager sous l'eau. Moi, je peux donc manger pendant le combat. C'est quoi cette histoire? Ah! Tricheur. Allez, fais respawn. C'est n'importe quoi. Ah. Bon, je pense qu'on va arrêter là, sur cette défaite lamentable de notre part. Ah. Ouais, on n'a pas été prudent. Donc voilà, c'était juste un petit coup d'œil comme ça, donc première impression sur EverQuest. Bien entendu, ce genre de jeu, vu sa VS, hein, son, on va dire son grand âge, pour être poli, est très riche au niveau du gameplay, dans le sens, enfin, du contenu, parce que ça fait quand même depuis 1999, et ils sortent quasiment des extensions, on va dire au moins tous les deux ans, voire toutes les années. Non, pas toutes les années, ça ferait un peu trop, là. Mais bon, en tout cas, assez souvent. Ce qui fait que, bon, il y a beaucoup de choses à voir, quoi. Et donc, à ces niveaux-là, bien entendu, nous, on ne peut pas se permettre d'aller aussi loin. C'est un MMO. C'est difficile de faire une critique des MMO, car il vous faut, bien entendu, tout tester, tous les aspects du jeu, et pourquoi pas tout le contenu. Et donc, nous, dans les coups, on fait juste première impression, on regarde de quoi ça a l'air, et qu'est-ce que les nouveaux venus vont... À quoi les nouveaux venus vont se confronter de ce qu'ils arrivent. Donc, et c'est pour ça que ce coup d'œil existe. Donc, vous avez pu le voir. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin que moi, et pourquoi pas de tuer ces satanés chauves-souris des cavernes, ou alors du espèce de gros lézard qui nous a chassés, ben allez-y, j'ai mis les liens dans la description de la vidéo. C'est un jeu à accès gratuit. Et si jamais ça vous intéresse et que vous voulez soutenir les développeurs, vous pouvez bien entendu vous abonner ou alors acheter des objets dans la boutique que nous n'avons même pas vu. Est-ce qu'on peut y avoir accès ici? Ça, c'est pour envoyer un message. Ah, pour envoyer un message, d'accord. Ouh, c'est bien. Ok, qu'est-ce qu'on a ici?
Bien entendu, comprenez qu'il y a certaines fonctionnalités qui ont été rajoutées au fur et à mesure des extensions. Donc, je n'ai pas sorti avec tout cela en une seule fois, quoi. Et moi, je cherchais la boutique. Mercenaire. You must own mercenary to bring. Ok. Ouais, il y a aussi les fonctionnalités, par exemple, vous pouvez louer les services d'un PNJ pour vous aider dans vos quêtes. Et avec ça, vous le faites apparaître. Un peu un système qui a été repris par Star Wars The Old Republic avec leur système de compagnons. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Je cherche la boutique, c'est la carte. Ouais, même les dessins, ouais. On dirait MSN Paint? Voilà, dessiné sur MSN Paint. Ok, your ability to create a guild has been disabled because you don't have a silver membership. Ok. Ouais, il faut être au moins des membres argent pour pouvoir créer une guilde. Ben, il n'y a rien, je sais pas où on accède, peut-être directement sur le site web. Donc voilà, c'est tout. Je pense que c'est bon. Mon impression, difficile parce que je suis pas de cette génération, d'accord? J'ai pas connu ça, ce jeu-là, à ma sortie. Donc c'est difficile d'avoir une émotion particulière disant, oh, à l'époque, non. Et vu que j'ai connu mieux graphiquement, mieux au niveau du gameplay. Et peut-être pas encore mieux au niveau de la richesse du contenu, mais il y en a qui se rapprochent. Hein. World of Warcraft a pas mal de contenu au PvE, tout ça. Au niveau du PvP, je sais qu'il y a un serveur. Dans la liste des serveurs, j'en avais vu un seul qui est PvP ouvert. Enfin, qui est un serveur PvP. Et donc, il doit avoir sûrement pas mal d'activités à ce niveau-là, j'imagine. Mais juste, est-ce que ça. En fait, la question c'est, est-ce que ça me donne envie d'aller plus loin? Étant de nature curieuse, j'irai voir un peu au moins jusqu'à la ville. La grande ville, vous savez. Mais pour vous, vous me direz, hein. Sinon, vous pouvez rester dans votre jeu. Donc voilà, c'était juste ça. Alors, donc, on était sur EverQuest. Un jeu développé et édité par. Bah tiens, je vais continuer mes quêtes en même temps que je vous fais un petit. Je fais une petite. C'est moi qui l'attaque? Ah, ok, ouf. Waouh, ils sont agressifs. Où est-ce qu'on était avec nos quêtes d'abord? C'était Alt-Q. On était. La vermine. On avait fini avec les rats, donc il manquait. Ouais, attendez. Ah, donc c'était EverQuest, je disais. EverQuest, un jeu développé et édité par Sony Online Entertainment qui est sorti en mars 1999 et qui a connu beaucoup d'extensions. Et dont la dernière, Reign of Fear, qui est sorti en novembre 2012. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller faire un petit tour dessus, allez-y, c'est gratuit. Et puis, vous regardez, allez plus loin que moi. Et comme ça, si jamais ça vous intéresse, ben vous continuez votre aventure tranquillement. Soit en mode gratuit, soit en mode abonné. Voilà, donc c'est tout. Donc, on se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et ciao, ciao.